Et Pépé Cocody Dinga, ambiance particulière dans la cour, du matériel de nettoyage, des pots de peinture, des poubelles, de quoi améliorer le cadre d'études. C'est un don de l'ONG Afrique Environnement qui œuvre pour la création d'une génération d'éco-citoyens. Il y a un réel besoin surtout d'éducation au niveau de l'environnement. À mon avis, les actions de sensibilisation seules ne suffisent pas. On sensibilise les adultes, mais c'est trop compliqué. Et il faut partir à la base. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer cette ONG en initiant des projets qui concernent les enfants de la maternelle à l'école primaire et ainsi de suite. Ajouter au matériel d'entretien une bibliothèque verte, des livres pour mieux promouvoir la lutte contre l'insalubrité. Élèves et encadreurs se disent satisfaits. Nous sommes engagés, les enfants et nous, dans le maintien en état de propreté de notre milieu de vie. Nos efforts ont été récompensés. Ça me fait très plaisir de concevoir des lots de l'ONG Afrique Environnement, car avec ces lots, on pourra rendre plus propre notre école. Satisfaction et volonté de mieux faire, le Pépé Cocody Dinga a été lauréat 2014 du prix ANASUR de l'école la plus propre. Encouragement donc de la part de l'ONG Afrique Environnement qui depuis 2013 a offert des kits de propriété de l'environnement à 39 établissements scolaires.